tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est unboxing avec la boutique Vape Crostich, notre boutique préférée pour la broderie. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux accessoires et une broderie. Voilà, donc c'est la broderie, c'est la suite d'une série que je suis en train de prendre. Bon, c'est pas une grande série, hein. C'est, il doit y en avoir 3 ou 4, pas plus. J'en ai déjà une. Ça sera la deuxième. Et je pense que j'ai dû en commander encore une autre, enfin dans un partenariat. Je ne suis pas sûre, mais bon, on verra. Alors, d'abord, les accessoires. Je vous les montre comme ça. Ça, j'en ai déjà eu, hein, mais je les adore. Donc, j'en ai repris. Désolé pour le bruit. Hop. Voilà, les petites pinces comme ça, qui sont merveilleuse ces pinces, donc j'en ai 3. Voilà, j'adore ces pinces. Moi, je pour les grands, les moyens et les grands de broderie, j'enroule et du coup, hop, j'en mets 2 ou 3 suivant la taille de la broderie et ça me tient bien enroulé les broderies sans les abîmer ni rien et c'est super solide. Les premiers que j'ai eu, ils sont toujours là, ils bougent pas. Alors ça, le lot de 3 pinces, c'est 3,92 $. Voilà, n'hésitez pas à les prendre, elles sont vraiment superbes. Ensuite, alors par où ça s'ouvre, là, un petit accessoire. Alors, des fois, on peut en trouver dans les toolkits de broderie. Mais bon, la qualité n'est pas la même. Moi, j'en avais déjà un, mais il est cassé le mien. Du coup, j'en ai repris un. Voilà. C'est un coupe-fil. Donc, il a un petit chapeau pour protéger la pointe qui pique. Et il est ergonomique. Regardez. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, on le prend vraiment bien en main. Il tient bien dans la main. Et après, pour enlever les fils, vraiment nickel. La pointe est vraiment bien pointue. Et là, le dessus, c'est un peu antidérapant. En dessous aussi. Donc, il est vraiment, vraiment top, hein. Je l'aime beaucoup. Et en plus, avec son petit bouchon, pour protéger la lame, nickel. Alors ce petit coupe fil était à 3,50 $. Ça va, je vais jeter les sachets puisqu'après ça va aller dans ma boîte à broderie. Je déballe la broderie et je reviens. J'ai profité pour me mettre face bureau pour vous montrer la broderie, ça ira beaucoup mieux. Malgré qu'elle est grande, donc on va se débrouiller. Alors, le petit toolkit, comme d'habitude. Bon, là, les aiguilles sont parties du petit pompon, mais c'est pas très grave. Hein. On en a... j'en ai eu 4 cette fois-ci, mais bon, c'est pas grave, j'en ai. Hein. Le petit enfil aiguille que j'adore. Le petit anneau que je n'aime pas. Et le petit pompon pour les aiguilles. Alors, ça, ce sont tous nos fils. Alors, vous voyez, il y a du bleu, il y a du purple, il y a du rose. Ça va être très, très beau. Compagnie sans nom. Compagnie sans nom veut dire magnifique patron. Et voilà la photo de notre broderie. Que j'adore. Donc c'est la fille avec l'épée. Voilà, vous voyez ici elle a son épée. Donc c'est la série, ce sont des personnages comme ça avec des épées. Elle est trop trop belle. Alors le patron. Bah écoutez, hein, nickel le patron comme d'habitude. Alors on a 50
peur, quand même. Eh ben, on dirait pas. Alors, je vais essayer de vous remonter un petit peu. Voilà. Donc, on a 50 couleurs. Bon, il y a un petit peu de confetti, hein, quand même. Hein. On va le dire, on va pas se le cacher. Mais ça va. Il y a quand même des blocs, voyez. On a quand même des blocs. Là, là, là. Il y a des blocs un peu partout, quand même. Et un peu de confetti. Voilà. Alors, je vous montre une partie du patron. Pour... Hop. Voyez. Niveau impression, bah, rien à dire. Hein. Ça, c'est comme d'habitude. La compagnie sans nom, de toute façon, c'est vraiment nickel chrome. Hein. Alors, ici, on va avoir la première colonne, ce sont les chiffres qui seront sur la plaquette de fil. Le deuxième, bah, c'est les symboles. La troisième, c'est les références DMC. Et la quatrième, ce sont les couleurs à peu près réelles de la broderie. Alors, on va regarder les symboles. Ça, je n'aime pas. Celui-là, la flèche, ça, j'aime pas du tout. Mais bon. Là, le petit T à l'envers, c'est pareil. Il faut bien le voir, hein. Bon, ça... Vous voyez, parce que là, maintenant, il y a un T à l'endroit. Ça va. Ça devrait aller. Donc, vous retrouvez ici les... Oh, pardon, excusez-moi. Alors, allez. Malheur. Ah, je me mélange les pinceaux. Ici, les explications, comme d'habitude, c'est un peu comme dans les Joy Sunday. Alors, les fils. Là, 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 là. Bon, c'est la plaquette toute simple, hein, mais avec, c'est fait avec les nœuds, donc c'est très bien. Voilà. Regardez-moi ces jolis fils. Des bleus, en veux-tu, en voilà. Il y a des roses, il y a du beige, il y a du blanc cassé. Alors, ici. Oh, mon ventre gargouille. Regardez-moi ces beautés. Un petit rouge quand même. Hein. Mais alors, une gamme de violets magnifique pour celles qui aiment les violets, les roses, les bleus. Là, il y a vraiment de quoi faire. Et encore des bleus. Vous avez vraiment toute la gamme de bleus. Regardez-moi ce joli vert d'eau là, et ce turquoise, comme il est magnifique. Et là, les roses, super beau. Et bien sûr, on a des échevettes en plus. Alors celle-ci, regardez, hop, non, arrête de flouter. Arrête de flouter, les copines veulent bien voir les échevettes. Voilà. Donc, vous l'avez en couleur réelle, là. Voilà. Regardez-moi celui-ci. Bon, celui-là, il ne veut pas passer en couleur réelle. Il est un peu plus foncé. Mais il est magnifique aussi. Et ce turquoise. Alors, il est plutôt turquoise, hein. J'ai les couleurs qui passent bien, j'en ai qui passent moins bien. Donc, voilà pour les couleurs. Et niveau de la toile. Alors... C'est une 50 sur 67. Voilà. Alors, attendez, je vais me mettre debout. Je vais prendre le téléphone à la main pour vous le montrer. Oh là là, mon ventre qui gargouille. Oh, j'espère que vous ne l'entendez pas. Voilà. Vous avez vu ? Alors, je repose. Pour vous montrer de plus près l'impression. Alors, déjà là en haut. Et
Oh là là! Si ça s'entend, vous devez être mort de rire derrière votre écran, entendre mon ventre. Voilà. Allez, on va montrer un petit peu au milieu pour voir les confettis. Vous voyez, il n'y a pas. Il y a quand même pas mal de fils qui se suivent. Hein. Enfin, de symboles. Non, c'est nickel. Et ici en bas, il y a beaucoup de blocs. Vous voyez? Non, c'est une belle toile. Donc voilà, alors je vous remontre le dessin. Hop. Je vais vous remettre à la bonne distance. Voilà. Donc cette toile, c'est une 50 sur 67 cm. C'est vrai que ce n'est pas une taille habituelle. C'est une 11 CT et elle est au prix de 14,88 $. Voilà, je vous la remontre. Elle est trop belle! Je connais quelqu'un qui va craquer encore. Elle va me dire en commentaire, ça y est, j'ai encore craqué. elle va se reconnaître. Alors, je vous ai présenté donc cette broderie aujourd'hui. Ce petit coupe-fil. Et les pinces pour tenir votre broderie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je remets... Ah, j'ai oublié, vous avez un code promo. Moins 5% sur votre commande avec le code promo DIDIT05. Je vous le remarque là en barre d'infos. En barre d'infos et sur l'écran. Je vais vous l'incruster plusieurs fois. Je remercie énormément la boutique VIP Crustiche que j'adore. Je suis en amour pour cette boutique. Ils ont vraiment des choses merveilleuses. N'hésitez pas à aller voir. Et comme je vous ai dit, en ce moment là, j'organise le sal de broderie qui commencera le 1er janvier. Je vous remettrai dans le petit le lien de la vidéo. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de toile pour faire ce sal, que vous voulez vous inscrire, d'aller chez justement VIP Crustiche si vous voulez commander une toile, parce qu'ils vont vous livrer très rapidement. Vous l'aurez avant le démarrage du sal. Donc n'hésitez pas à aller voir et du coup profiter de ce code promo, donc DIDIT05. Alors, je les remercie énormément de leur générosité, des conversations que l'on a. Je les adore. Voilà. Et il y a un choix terrible dans leur boutique, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a du 14 CT, il y a du 11 CT, il y a du 18 CT maintenant. Il y a du point compté, il y a des accessoires, il y a des petites choses à broder. Donc, allez-y. Foncez! Moi, ça ne me rapporte rien, hein, mais à vous, ça vous rapportera que du bonheur. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.